Salut les amis. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En Italie, encore. Ouais, mais cette fois côté Adriatique. Ouais. Après avoir fait 2000 km depuis notre départ, et nous ne pouvons pas passer en Sicile ou difficilement avec le Covid, nous avons décidé de passer de la côte ouest à la côte est de l'Italie. En arrivant sur cette côte est de l'Italie, nous découvrons un paysage complètement différent. Mais tout au long de notre voyage, une chose n'avait pas changé. On voulait parler des radars. C'est intéressant, les radars. Ah, les radars, ouais. Donc, en Italie, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de radars. Voilà. Sachant que la circulation, au niveau de la côte, après, dans l'intérieur de l'Italie, c'est un peu différent. Mais sur la côte, c'est beaucoup 50, limité à 50, 70, en règle générale. Et donc, il y a des radars automatiques un peu partout. C'est ça. L'avantage de notre GPS, sans faire de la publicité, c'est qu'il nous les montre. Il nous les marque, ouais, tous les GPS. Alors, ils sonnent. Enfin, tous les radars. Là, ouais. Et donc, c'est pas mal parce que sinon, sur la route, c'est vrai qu'on se referait à 50, ça va vite, quoi. Voilà. Alors, on a peut-être fait l'erreur de ne pas le mettre dès le début à sonner. Ouais. Peut-être. À voir. Parce qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Et donc, savoir que l'amende est de 40 euros, voilà. Voilà, oui, tout à fait. D'après un Italien, ouais. L'amende est de 40 euros. Le non-respect des réglementations de vitesse, c'est 40 euros. Donc, piano. Je faisais que nous dire piano, donc voilà. On a retenu. Donc... Sur les parkings. Gratuit de stationnement. Il y a beaucoup la police qui passe. Ouais. Mais c'est juste pour regarder. La surveillance, voilà. Ouais. Et donc, c'est. Et si on a mis nos stores ? Oui, parce qu'à partir du moment où on installe, on sort la table, on installe les stores. Alors, je sais pas. On est considéré comme en camping. Ouais. Et donc, ils verbalisent. Voilà, donc c'est assez rigolo parce que tous les Italiens qui sortent les stores, en fait, surveillent s'il y a la police qui arrive. Et dès que la police arrive, ils remontent les stores vite fait. C'est assez drôle. Voilà. Mais cependant, on arrive quand même à sortir nos chaises. Et les Italiens, tout dépend des régions où le Covid est présent ou pas. Hein, parce qu'il y a des régions moins touchées que d'autres. Mm. Et ils sortent tous leurs chaises, ils se mélangent, ils t'appellent, ils te passent de la bouffe par la fenêtre. Il y a une bonne convivialité sur les terres de camping-car. Ouais. Mieux qu'en France, je trouve. Il y a une meilleure ambiance. Ouais. Ils tapent facilement la discute, quoi. Ils viennent te voir. Voilà. Ouais. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a rencontré ces Italiens avec qui on a passé une journée et demie à peu près. Deux, trois jours, je sais plus. Et qui était relativement intéressant à discuter avec eux, même si on parle pas
italien. Voilà. On arrive quand même à se comprendre. Et puis, on a utilisé aussi l'appli de Google, quoi, le Google Assistant, qui nous a pas mal aidé dans la traduction de certains mots pour nous comprendre, en fait. Hein. Que ce soit eux comme nous, parce que eux ne parlaient pas français non plus. Voilà. Ni anglais. Ni anglais. Super. Ah, super. Bon, voilà, c'était une petite pause. Voilà, c'était... Bref, on va la couper, celle-là. Et vous l'êtes sur la vidéo. Il y a longtemps qu'il m'a fait rire. Bah, il sera sur la vidéo. Voilà, il est content. Au moins, comme ça, vous êtes vraiment dans le jus. Après avoir traversé l'Italie, nous sommes arrivés côté Adriatique. Nous avons cherché un spot pour la nuit. Et là, nous avons trouvé un petit parking face à la mer, où nous avons rejoint quelques camping-caristes. Après quelques minutes, les Italiens sont venus nous voir. Et nous avons passé 2 jours avec eux, 2 jours où nous avons pu échanger. Indiquer quelques visites à faire aux alentours, dont nous allons vous partager une d'elles. Nous tenions à les remercier pour ce partage pendant ces 2 jours que nous avons grandement apprécié. C'est ça aussi, la Vine Life. Thank you.
Il est conseillé d'être souvent sur des plages privées parce qu'elles sont sécurisées. Il est dit pour les vols. Après, personnellement, je ne trouve pas, hormis si on a des enfants et que oui, là, il y a réellement une surveillance au niveau plage parce que concrètement, ils sont en tête de la plage. Mmh. Et ils regardent principalement la plage. Donc, dire que ça permet d'avoir une sécurité totale de nos biens, je doute. Ouais. Après, c'est pareil, c'est un business. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plages privées quand même. C'est principalement un business. Ah, ouais, quand même. Ça va avec le stationnement des camping-cars tout au long où à 70%, c'est quand même des places payantes, mais que ce soit pour les camping-cars ou pour les voitures d'ailleurs. Ouais. Non, c'est côte italienne, c'est un vrai business. Après, voilà. Il y a la même chose en Espagne. Il y a la même chose en Espagne, il y a la même chose en France, de toute façon, pour les camping-cars. Les plages. Oui. En France, on n'a pas. Non, je parlais du stationnement. Ah. Après, oui, pour les plages, il y a la même chose en France sur les plages privées. Oui, tout à fait. Ici, quand même, c'est à plus grande échelle. Hein. Voilà. Après, là, avec le Covid, pour faire des visites en camping-car, ça reste compliqué dans le sens où les parkings sécurisés sont assez loin, malgré tout, du lieu à visiter. Visite, ouais. Et on a des feuilles de circulation. J'en ai pas pris assez. Voilà. Ouais. Parce que nos feuilles de circulation, on doit mettre notre lieu de transport et la ligne de transport. Donc à chaque fois, en fait, il faut une feuille. Hein. Pour les transports en commun. À présenter au chauffeur. Et la Polizia peut nous la demander aussi. Sachant que sachant que tous les sites, que ce soit Pise, que ce soit Pompéi, tous les gros sites touristiques, faut quand même réserver à l'avance par internet. Et il y a des jours de visite, donc c'est quand même assez compliqué d'aller réserver. Et donc c'est vrai que sur nos vidéos, on vous a montré pas mal de routes. On aurait voulu peut-être vous montrer d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même assez compliqué avec le Covid. Donc voilà, on a préféré faire les choses comme ça. Et puis après, on a quand même fait de la visite, mais on peut pas filmer partout non plus. Après,
Au niveau bouffe, l'expresso est dans les bars identique en France. Ouais, on n'a pas trouvé de grandes différences. En revanche, quand on l'achète dans les grandes surfaces, il faut quelques jours pour s'adapter. Ouais, c'est ça. Il est relativement amer. Amer par rapport à ce qu'on connaît. Donc, réussir à trouver celui qui nous convient par rapport à ce qu'on connaît, ce qu'on a l'habitude. Ouais, c'est, ça change. Voilà. Donc, les premiers jours, on a appris à faire le cheval après, à hésiter à prendre du café. On a fait, on a goûté à toutes leurs pizzas, enfin, toutes, pas partout, mais à quelques pizzas, et il n'y a pas non plus une grosse, grosse différence, hormis peut-être dans la garniture, voilà. Aux épices aussi, ouais, ouais, c'est sympa. Elles sont bien relevées des fois. C'est leur charcuterie en fait qui est déposée dessus, qui est relativement épicée. Alors pour les personnes qui sont habituées à manger épicé, ça va. Ouais. Nous non. Nous, non. Donc c'est le lendemain aux toilettes. Faut penser à la crème. Les fesses plus. Plus sensibles. C'est ça. Et là, ça y est, t'as perdu. Tout le monde est parti là. Ouais. Ils sont tous partis. En tout cas, c'est ta faute que je sois avec toi dans les vidéos. Tu vas voir à ton retour. Ouais, hein. Ouais. Là, ils sont tous partis. Là. T'as plus personne. Hein. Comment ils appellent ça? Je sais plus. Ah, je sais. Bref. Ouais, bref. Et alors, vraisemblablement, en Italie, il y aurait donc la dengue et puis le chikungunya. Chikungunya, ouais. Et puis la maladie du Nil. Hein. Ouais. Voilà. Chose qu'on n'aurait pas en France, visiblement, sur... Oui, ça a beaucoup fait rire, d'ailleurs, les Italiens, quand on leur a dit. Ils n'y ont pas cru du tout. Ils nous ont dit que, non, on nous mentait chez nous. Hein, qu'il y en avait aussi chez nous. Hein, voilà. C'était obligé. Ouais. Bon, les premiers jours, les premiers contacts, c'était « Ah, Franchi, gilet jaune, révolutionnaire !» C'est ça, okay. C'est la vision qu'ils ont des Français. Voilà. C'est assez drôle, d'ailleurs. Ah voilà.
Et enfin bref, donc j'ai plusieurs crèmes. Ouais. Après, peut-être essayer celles qui sont en pharmacie. Ouais, je sais même pas. Enfin, Là, j'ai pas de solution. Parce qu'on a essayé trois, t'en as trois, c'est ça? Ouais. Trois crèmes, hein, les trois s'est fait bouffer. Donc, j'ai du petit Simon, on pourra le filmer. Ouais. Du Marie-Rose et une espèce de crème. Là, c'est plus une crème qu'un spray. Ouais, c'est une crème, ouais. Mais c'est pareil. Ça fait une espèce de pellicule bien dégueulasse, par contre. Très désagréable. Et au final, vous faites bouffer tout pareil. Donc, voilà. Voilà. Après, du coup, on a monté une autre moustiquaire à la porte, ouais, des camping-cars. Ouais. Qui nous aide quand même pas trop mal. Fabrication artisanale maison. Bah, disons que obligé de trouver une solution, hein, parce que non, c'est pas possible, quoi. Pour essayer de limiter, ouais, en fait, cette invasion. Mmh. L'Italien reste surpris de la quantité de crème solaire en tant que Français que je, ouais, peux, ouais, mettre. Ils n'ont pas l'habitude de ça, non. Voilà. Non, pour eux, il faut se mettre au soleil pour... voilà. Nous, notre fils, bah, comme vous avez pu voir dans les vidéos, il est roux. Hein. Donc, une peau de roux, bah, ça rougit, ça ne s'abronce pas. Mais ils n'arrivent pas à comprendre, en fait. Voilà. Donc, pour eux, j'imagine que, oui, en restant très longtemps ici, je finirai avec un teint de marocaine. Je doute. Ouais. Ouais. Là, il va falloir que je m'expatrie très pense. Longtemps. Ouais. Enfin, voilà. Pour ce petit goût. Point. Ce petit point, ouais, sur l'Italie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais dit au début de la première vidéo qu'on la ferait certainement en deux parties. Seulement, j'ai monté la première vidéo et la première vidéo faisait une heure. Voilà. Donc, je me suis dit que, bah, au lieu d'en faire deux, bah, on en fera peut-être quatre, en fait. Parce que non, c'est trop long. C'est vrai que ça fait un gros road trip, hein, enfin, sur trois semaines. Voilà, 5000 km. On a vu plein de paysages différents, beaucoup de lignes de chemin de fer, des gens adorables, voilà, oui, faut le dire, ouais, des gens adorables, les Italiens, et puis ils sont super gays, et puis un grand merci encore aux gens qu'on a rencontrés, avec qui on a passé ces quelques jours, parce que c'est une belle rencontre, donc merci à eux. Voilà. Bon, bah, on va faire la fin. Ouais. Bon, voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a fait découvrir un petit peu plus l'Italie. Et puis vous donner quelques informations pour des personnes qui sont encore jamais venues. Ouais, je sais qu'il y en a quelques-uns qui comptent, en fonction des événements, faire un petit tour en Italie. Donc, bah, ça peut peut-être les aider, quoi. Voilà. Surtout prendre des feuilles. Ouais, surtout prendre des feuilles, ouais. C'est pas mal. Voilà. Nous, on a pas après, s'il si, y a possibilité d'en refaire, hein, faut s'arrêter et refaire des photocopies, en fait. Hein. Ouais. Bah, surtout avoir tous vos papiers, en fait, sur une clé USB, ça vous permet de faire des copies facilement de ce que vous avez besoin, quoi. Voilà. Donc, je l'ai en effet sur clé USB, et puis il y a possibilité après sur le site internet de le récupérer. Ouais. Ouais, mais quand tu vas dans un copy ou un truc comme ça, c'est plus simple. Alors. Oui. Bon, voilà. Bon, ben, on va vous dire à une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Salut les amis. But I have to try as hard as I can. You'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, no, no. She will never know, no, no. Never know, no, no.
remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.